nous lirons dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean, à partir du verset 2. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous venons avec toi, nous aussi ». Ils sortirent et montèrent dans le bateau cette nuit-là. Ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu. Et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu, toi ?» Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il s'était réveillé d'entre les morts. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 258, les strophes 1, 2 et 3.
prions ensemble. Et nous prions avec le pasteur Charles Wagner. Accorde, Père, accorde à tes enfants assemblés le sentiment de ta sainte et souveraine présence. Que tous ensemble, nous te cherchions dans la simplicité, avec des cœurs sincères, dans l'amour fraternel, décidés aux actes. Parle-nous par la voix d'un homme, mais dans son insuffisance et son infirmité comme un écho de ta parole éternelle. Dis à chacun de nous ce qu'il a besoin d'entendre. Aide la parole mortelle à trouver le chemin des cœurs pour y accomplir une œuvre immortelle d'espérance, de réconfort, de guérison. Que ceux qui ont faim et soif ne s'en aillent pas découragés. N'ayant pu boire à tes sources divines, fais-nous du bien, comme tu nous aimes, non selon nos mérites et notre foi, mais selon nos misères et ta miséricorde. Ainsi soit-il, dans la communion sainte, par le Christ, le libérateur. Amen. Comme si rien ne s'était passé, Pierre retourne à la pêche. La fête est finie. L'aventure avec Jésus est finie et elle s'est très mal terminée. Il retourne travailler. Comme si la conviction d'avoir trouvé le Messie, l'enseignement de Jésus, les signes qu'il a produits devant tous ses disciples, les guérisons, la résurrection de Lazare, la vie itinérante à la grâce de Dieu, comme si tout cela n'avait été qu'une parenthèse dans sa vie, Pierre retourne à la pêche, à la réalité du quotidien, à son travail. Il en est pour Pierre, comme pour certains disciples, de grandes utopies. Un jour, il découvre ce qu'elles étaient, des non-lieux, des espoirs impossibles à réaliser, des rêves éveillés en quelque sorte, des désirs destinés à être déçus, parfois même des impostures. Ces détours-là existent en politique. Imaginez les révolutionnaires qui déchantent en voyant le résultat de leur rêve d'égalité, de liberté, de fraternité, qui découvrent la terreur. Mais c'est aussi vrai en religion.
Imaginez le mystique qui a été en communion avec Dieu lors de son expérience secrète et intime. Après l'illumination, il se trouve confronté à la réalité de l'Église, de l'institution, de la loi des hommes. C'est même possible en amour, quand le coup de foudre doit s'accommoder du quotidien et qu'on retourne faire la vaisselle. Alors, le sentiment de suivre son véritable destin, d'avoir trouvé sa voie, se brise, parfois violemment, parfois en s'éteignant misérablement dans le cœur. Ce qu'on croyait un idéal exaltant s'use et se ternit dans la grisaille du temps. Et l'on peut dire alors « j'y ai cru ». C'est le paradoxe de l'événement. Attendu, désiré comme un moteur de changement, il est pourtant voué à la disparition. La durée est son ennemi. Son intensité et donc son intérêt disparaissent à mesure que le temps passe. Comment transformer un événement en un accomplissement? C'est ce que cette ultime apparition semble vouloir résoudre dans l'évangile de Jean. Nous sommes très longtemps après la mort du Christ quand les auteurs de cet évangile écrivent « Et le Christ n'est plus là avec eux, lui qui devait revenir, il n'est plus là et il ne revient pas. » C'est une ultime apparition, ultime parce que nous n'en sommes pas à la première tentative pour faire comprendre la résurrection de Jésus à ses disciples. Et il semble bien difficile de croire un après de l'événement Jésus, puisqu'il est mort. D'abord, Marie de Magdala, devant le tombeau, se méprend sur l'identité du ressuscité et le prend pour le jardinier. Là déjà, le prosaïque résiste. Elle pense qu'elle est en face des réalités humaines et elle cherche son sauveur comme il était avant. Elle cherche un corps à honorer. On lui donnera l'écho de son nom, Marie, et un appel à aller dire aux autres que Jésus va vers le Père qui est aussi leur Père. De la réalité du cadavre qu'elle venait chercher et honorer, Marie doit déplacer sa recherche vers le symbole de la filiation, trouver un Père à travers celui qui est mort. Puis Jésus est décrit comme apparaissant au milieu des disciples, leur donnant le pouvoir de pardonner les péchés des hommes ou de les retenir. Ils devront prendre la responsabilité du péché du monde, s'en occuper eux-mêmes, alors que leur Sauveur est mort. Puis il apparaît à Thomas, qui veut toucher ses stigmates. Lui aussi a besoin de réalité des choses, il a besoin de concret. Une reconnaissance qui fait dire à Jésus « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». En d'autres termes, heureux ceux qui sont déjà passés du côté du symbolique. Toutes ces apparitions ne suffisent pas à faire comprendre aux disciples comment concilier l'événement qui les a bousculés avec la réalité toute humaine de leur vie qui doit continuer. Ils ne savent pas comment écrire la prose de leur vie, comme dirait le philosophe Hegel. Maintenant qu'ils ont connu l'extraordinaire du salut. En effet, comment transformer l'idéal dans le quotidien et le banal? Quelle forme lui donner? Comment faire de l'événement Christ une illumination de leur grise existence? Jésus serait-il venu pour rien? Serait-il allé jusqu'à la mort pour que rien ne reste de lui? N'était-il qu'un événement, en fait? Faute d'être assimilable dans la réalité humaine, que restera-t-il de lui? Comme les sept témoins de ce soir-là dans leur barque, l'évangile de Jean décrit sept signes accomplis par Jésus. Les noces de Cana, la guérison de l'officier royal,
la guérison du paralytique, les 5000 personnes nourries, la marche sur la mer, l'aveugle de naissance guéri et la résurrection de Lazare. Et pourtant, Simon-Pierre retourne à la pêche. Il reprend son travail, ne sachant sans doute que faire de toutes ces entorses au réel qui l'avaient sur le moment sans doute beaucoup chamboulé. Il faut dire qu'à la suite de Jésus, il n'était pas nécessaire de reprendre son dur travail, puisque le royaume était proche, puisque le Messie était enfin venu apporter le salut et que les hommes attendaient un renouveau. Le boiteux marchait, l'aveugle voyait et même les morts revenaient à la vie. À quoi bon retourner au dur labeur imposé aux hommes pour gagner leur vie? Avec Jésus, la vie éternelle semblait être donnée. Dans le jardin d'Éden, personne ne va labourer ni pêcher, personne ne travaille, puisque tout est là, offert par grâce, poétiquement par Dieu. Mais voilà que le Sauveur n'a pas été sauvé lui-même. L'itinéraire vers le royaume de Dieu se termine à Golgotha, et celui qu'on croyait être le Messie finit cloué sur une croix comme un malfaiteur. Comment traverser la déception d'un échec pour en faire un accomplissement? Comment revenir d'une utopie? Peut-on parler du salut quand le Sauveur est mort? Après toutes ces apparitions, rien ne semble pouvoir aider la foi des disciples. Et il est alors écrit, Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup de signes qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi vous ayez la vie en son nom. Mon Dieu, qu'il est long, le chemin de la foi. Combien faudra-t-il de récits d'apparition pour qu'enfin quelqu'un croie que Jésus est le Christ pour lui? Mais cette fois, comme si l'Évangile faisait un flashback, comme si les tentatives pour faire comprendre que tout n'est pas fini avaient tout échoué, on retourne au commencement. Avant que Jésus n'ait entraîné ces hommes, qui avaient un métier, une famille sans doute, des devoirs, avant le surgissement de l'utopie Jésus, lui qui n'a nulle part où reposer sa tête, avant que l'homme sans lieu n'apparaisse comme non-lieu, l'Évangile revient à ce point-là. Simon-Pierre retourne à son travail de pêcheur. À quoi bon le salut, semble-t-il dire? Et avec lui, les autres viennent aussi. L'accomplissement du royaume n'a pas eu lieu et même Thomas va pêcher ce soir-là avec Pierre. Il a touché les plaies du Christ, il a cru de ses mains en quelque sorte, mais la vie qui l'attendait n'est pas venue et il faut bien recommencer à gagner sa vie à la sueur de son front. La réalité n'est pas du côté du jardin, mais hors du jardin d'Éden, dans le travail pénible et la souffrance des hommes. De plus, cette nuit-là, comme pour achever le tableau de leur triste condition humaine, ils ne prendront rien. Les filets sont vides. Les disciples sont dans la nuit et ils ne prennent rien. Et enfin, l'aube va paraître. Et Jésus va apparaître aux disciples. Et au lieu de leur apporter enfin ce qu'ils espéraient, il va les questionner. Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger? Que signifie cette question? Est-ce lui qui a besoin des disciples pour le nourrir? Ou s'inquiète-t-il d'eux et de leur subsistance? Jésus leur parle de nourriture, de leurs moyens de subsistance. Point de sacré ici, point de héros de la foi, ni de miracles, ni de signes prodigieux, mais la question d'un père qui fait écho à leur angoisse. Maintenant que nous avons tout quitté pour le suivre, aurons-nous de quoi subsister? C'est comme si la nécessité, les besoins vitaux des hommes ordinaires étaient élevés au rang des choses sacrées. Dans son esthétique, le philosophe Hegel
parle de la peinture flamande du XVIIe siècle qui représentait les scènes de la vie quotidienne, les rendant ainsi dignes d'être peintes. Pour lui, c'est parce que cette nation hollandaise ne devait sa subsistance qu'à son travail, qu'elle transfigurait ainsi la prose de la vie dans une représentation esthétique heureuse. Avec la question de la subsistance, les disciples devenus fils héritiers du Sauveur comprennent ainsi que leurs occupations prosaïques peuvent être des lieux de la révélation du salut de Dieu. L'ordinaire rejoint l'extraordinaire. Et la pêche miraculeuse va avoir lieu. Un ultime signe, récapitulant les 7 autres signes de l'Évangile, accomplissant l'œuvre d'une vie achevée sur la croix et qui n'en finit pas de questionner notre vie. Ils jettent leur filet et le remplissent de poissons. Ils sont devenus pêcheurs d'hommes, témoins d'une bonne nouvelle qui jusque-là n'était pas entrée dans leur vie prosaïque, avait quelque chose d'à part, une parenthèse, quelque chose d'incroyable et d'inassimilable. Faute de foi dans la dimension salvatrice de cette prose qu'ils avaient à écrire, les disciples n'avaient pas vu que c'était dans leur vie ordinaire que Dieu s'était présenté à eux. Ils ne s'en souvenaient plus. Jusque-là, la bonne nouvelle était idéale comme une image parfaite du royaume, et Jésus était le seul capable de sauver, comme ces personnages de peintures héroïques qui marchent sur la nuée, tels des dieux de mythologie. Enfin, cet évangile est devenu leur affaire. C'était à eux, maintenant, d'apporter le fruit de leur travail à Jésus. À eux de tenter cette pêche miraculeuse. À ce moment précis où il faut changer de paradigme pour passer de l'événement à l'accomplissement, Simon-Pierre, lui l'impulsif, celui qui coupe l'oreille d'un garde, lui le lâche qui renie 3 fois Jésus devant le palais du grand prêtre, lui qui ne peut plus rester à attendre le salut sans rien faire et retourne à la pêche, Simon-Pierre noue son vêtement et se ceint les reins pour sauter à la rencontre de Jésus. Et le texte biblique spécifie quelque chose d'étonnant. Il écrit « car il était nu ». Pour se jeter à la mer, il attache un vêtement car il était nu. Pourquoi s'habiller pour aller nager? Pourquoi, au contraire, ne pas profiter de cette nudité pour se jeter plus facilement à l'eau? Pourquoi s'encombrer d'un vêtement tout à coup? La traduction de ce verset est difficile et Pierre ceint son vêtement à la taille pour plonger. Et ce vêtement doit être un vêtement sans doute de travail, un vêtement que l'on met à même la peau, qui n'entrave pas les mouvements du travailleur. Mais c'est un vêtement qui n'est pas décent pour aller se présenter aux autres. Dire qu'il est nu dans l'Évangile ne veut pas dire forcément qu'il n'a aucun vêtement sur lui, mais plutôt qu'il est dans une tenue qui ne se montre pas. Ce qui est important ici, c'est que le texte fasse cet ajout, car il était nu. Il ceint ses reins, organes où résident les passions humaines dans les croyances antiques, et il est nu. Pierre va vers celui qui l'a renié, vers celui qui révèle son péché par sa présence même. Il est là face à lui maintenant. Et il a l'audace d'y plonger dans cette eau terrible, dans ce chemin qui le sépare de son Sauveur. Mais il cache sa honte, sa nudité, en attachant son vêtement comme le font les esclaves pour travailler. Il fait le geste des travailleurs et il est nu comme sont les esclaves. Pierre plonge dans sa nouvelle vocation de serviteur du Christ. Il rejoint enfin celui qui a pourtant suivi pendant tout son ministère, comme si l'idéal messianique et sa propre vie s'étaient enfin rencontrés, comme si Simon avait enfin endossé le vêtement de Céphas, ce nom donné par Jésus au tout début de sa vocation. Simon-Pierre plonge vers sa vocation de témoin. On ne sait pas ce que Pierre fait ensuite,
Ce qu'il a dit au Seigneur en atteignant le rivage, mais ce qui compte, c'est sa condition d'homme nu qui se jette vers son Sauveur en se revêtant de la dignité du serviteur. Tout cela, donc, n'était pas pour rien. Il y avait quelque chose à en faire, semble nous dire l'évangile de Jean. Pierre reviendra sur sa trahison en déclarant 3 fois son amour pour Jésus. Sa trahison sera rachetée et sa vocation ira jusqu'au martyr. Le Christ lui dit ensuite, « Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. » Mais pour l'heure, c'est lui qui décide de ceindre son vêtement à la taille pour servir et travailler pour le Christ. Et il y a cette pêche miraculeuse, cette pêche extraordinaire où l'on dit même qu'il y a 153 poissons, pas un de plus, pas un de moins. Ces 153 qui peuvent être interprétés comme la mission chrétienne, puisque chaque fois que l'on additionne le chiffre suivant, on arrive à 153, ou alors on peut aussi diviser 3 fois et ça donne un chiffre premier qui reste à la fin, le 17. C'est donc un chiffre très particulier qui montre un accomplissement, une espèce de perfection divine qui s'accomplit là, ou alors l'accumulation des témoins qui vont se convertir au christianisme grâce à Pierre. La question que Jésus pose, la question de Jésus, cette question « Avez-vous quelque chose à manger ?» est la véritable question de la résurrection. En d'autres termes, de quoi allez-vous vivre maintenant ? C'est la question que se sont posées les premières églises qui ont transmis le témoignage rendu au Christ, qui ont transmis ses paroles et ses gestes. Transmettre l'héritage chrétien est important pour ne pas qu'il disparaisse. Mais comment en vivre ? Quelle suite donner à l'événement Christ dans nos vies ? Très vite, il est devenu évident que le retour du Christ ne se ferait pas aux conditions annoncées par les millénaristes. Et il a fallu choisir entre contemplation d'un Christ spirituel et assimilation du christianisme dans le quotidien des hommes. Bien des siècles plus tard, les protestants ont choisi la deuxième option et ont fait de leur travail quotidien le lieu de la révélation du salut, l'accomplissement de ce que l'homme doit donner en témoignage de grâce à son Dieu. C'est une question légitime aujourd'hui pour tout homme de se demander à quoi sommes-nous appelés ? Que reste-t-il pour nous de cet événement Christ ? Devons-nous tout quitter et vivre un idéal qui nous mette hors du monde ? Ou devons-nous nous mêler au monde et y agir pour y apporter notre part de construction ? Malgré notre indignité, nos lâchetés, tout ce qui nous sépare de Dieu. Où devons-nous nous mêler au monde ? De quelle façon ? À quel monde est destiné le règne de Dieu ? Un autre monde utopique, après celui-là, après notre mort ? Ou ce monde-ci, maintenant ? Imparfait et décevant, et pourtant, c'est le nôtre. L'évangile de Jean, pourtant marqué par le désir de se savoir hors du monde, car c'est un thème qui revient souvent dans cet évangile, se conclut sur une résurrection toute prosaïque. Dans ce récit, le ressuscité n'est pas un spectre pour superstitieux, il n'est pas un héros sur la nuée comme dans les grandes fresques qu'on peignait avant, les peintures hollandaises intimistes. Le ressuscité se révèle par son souci du monde. Avez-vous quelque chose à manger ? Et il montre à ses disciples que c'est dans l'ordinaire de leur vie qu'ils trouveront la vérité du divin. N'est-ce pas dans l'exercice de leur métier même qu'ils trouvent le sens de leur vocation d'apôtre ? Alors, frères et sœurs, ne soyons pas honteux de notre condition d'homme après l'événement Christ. Même pécheurs, dans la honte de nos fautes,
nus devant Dieu, nous sommes appelés à revêtir notre habit de travail pour susciter de nouveau l'événement du salut dans notre vie quotidienne même et dans celle de nos frères. Nous sommes appelés à écrire notre propre évangile. Nous sommes appelés à faire de la prose de nos vies la poésie de Dieu pour ce monde. Amen.